BJM ba Jovenel Moïse, nous voyons un appel bail ministre de la Justice, là, commissaire gouvernement, directeur général de la police là, pour nous dire yo, yo ba vous compte yo. Et nous-mêmes, BJM ba Jovenel Moïse, nous sommes en séance, nous sortis, nous vivons pieds nous à terre et nous demandons tout allié, PHTK, tout le monde qui te fait 20-22 km de pouvoir, pour nous mobiliser dans le temps outre là pour nous faire goudou goudouk, pour nous faire une réponse, une réplique, goudou goudouk, permettre pour le président Jovenel Moïse de venir justice. Et nous avons un message tout, par quelques directeurs généraux, tant que OAVCT, ONA, AAM, SNGRS, ministère des Travaux publics, ministère de planification, nous avons dit, nous avons joué pour venir là, nous avons passé pour eux, parce que nous avons là depuis ce gouvernement. Jovenel là, il n'y a pas été militant à peuple à rien. Et au fait qu'il y a ce coupé lâché, nous pouvons connaître SCC, c'est notre coup de manger, SCC, c'est notre coup de lâché. Et nous avons fini pour nous dire, nous remercions la presse, remercions le peuple haïtien. Peuple dans le nord, au Cap, au Caïs, des Soleils, Belle-Aile, Ravine, Port-au-Prince, nous ne pouvons pas lever campé dans le mois d'août là, en goutte de goudouk, pour famille président Jovenel Moïse, joindre justice. Merci la presse, merci le peuple haïtien. Moza, comment vous avez avancement qui a fait dans le cadre d'enquête là et sous assassinat président Jovenel Moïse? C'est pour raison ça même qui fait, nous sortir dans le silence nous pour nous porter contre les bail. Ministre justice là, commissaire gouvernement, directeur général de la police là, nous disons pas pour contre eux, son façon, vous connaissez, vous avez avec eux et permettre que pour enquête y a mené un rivé côté pour rivé à pour famille. Famille Jovenel Moïse, jeune justice. Gen greffier qui t'a dû accompagner, nous capable de dire, juge qui a mené enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse qui perdit la ville. Donc, ça dit nous-mêmes comme monde qui t'a accompagné président Jovenel Moïse dans le cadre d'enquête. Ça, est-ce que nous croyons que le président est capable de jouer justice pour Jean Bayou aller là? C'est pour toute raison ça que nous disons déjà, nous sommes dans le silence, nous venons accompagner, je dis ça pas pour contre vous. Comme nous, on est grand-père, nous avons fait gros bruit, gros gauche dans la radio. Parce que yon, nous, même militants Jovenel nous fait silence, et bien nous disons, goudou goudou, pas le bien sous nous. Merci la presse. Wale qui se regroupement des organisations pour l'intégration des militants engagés d'Haïti. Wale qui gagne dans les 128 organisations et dans le bord directoire qui gagne en cours. Fofine, Placidel. Militants d'Elma en action, Fana JM, ANCET, pour nous citer ça seulement. Wame qui gagne en dans 128 organisations dans 10 départements pays. Et nous disons tout, Wame c'est noyau qui en dans BJM, Maman Pemba, qui c'est base Jovenel Moïse. Nous demandons justice pour tous les innocents qui tombent en bas de mes bandits dans tout quartier populaire. Justice pour tous les policiers qui tombent innocemment. Justice pour tout innocent qui tombe. Nous avons de justice pour Delma 32. Justice pour Martissan, Grand Belin, Grand Ravine. Nous avons de justice pour tout le monde. Et nous avons de justice pour le président Jovenel qui tombe en bas de malfoi ni loi. Nous avons dit que ça, c'est pour justice régner dans le pays. Et nous avons dit que M. Ariel, pour le ressaisir, qui t'a appelé chercher, râler, faire banane pour couvrir ça, n'a pas dit pour ça pas passer. Mettez pieds sous terre, c'est pour justice régner dans le pays. Dans le jour qui va venir là, n'a passé toute boîte, n'a passé prendre toute boîte, l'État autant pour ONA, planification, et CAS, FAES, n'a passé prendre OAVCT, nous allons souquer béton pour demander moun sa yo. Est-ce que c'est bouche seulement qui fond, qui pour manger, qui a pesé sous ses, depuis 10 temps dans toute boîte l'État? Dans le jour qui pral venir là, nous pral bailler mon pièce, yo, nous pral prendre béton. Nous disons merci et merci la presse. Alors, permettez-moi de faire un rebondissement et vous saluer particulièrement nous-mêmes, qui fait des placements, journalistes, malgré les gens qui sont extérieurs, malgré les situations difficiles, nous faisons des placements parce que nous croyons. Pour que le message soit véhiculé et si le message soit véhiculé bien, capable de faire un changement. Conférence aujourd'hui, ils sont conférences spéciales, j'ai un PSN, le secrétaire national, là, avec le président Jovenel Moïse. Parce que les pensées, une conférence de presse, mais c'est une conférence effectivement qui est basée sur une sorte de causerie avec la jeunesse, une façon de nous marquer
journée aujourd'hui, c'est une journée internationale de la jeunesse. Je n'ai pas besoin de tourner sur lui parce que le président jeunesse là, est rappelé dans le contexte. Et lui rentrer nos cadres qui est très lié avec l'objectif nous, qui est politique en double dimension. C'est la politique comme pratique, ça que nous toujours fait. Bataille nous lancée depuis quelques années. Nous voyons comment le pays a été capable d'aller en souffle avec la situation du pouvoir qui crase toute institution, le pouvoir qui met le pays au chaos, le pouvoir qui détruit tout espoir, tout avenir jeunesse là, et que nous connaissons depuis des années la bataille pour des changements. Ça, c'est la pratique politique. Mais en même temps, nous croyons que pratique là, pour y bien fait, tout le résultat, c'est pas continuer à faire genre, tout l'autre que nous avons fait là, il faut que nous-mêmes nous portions une valeur ajoutée. Et valeur ajoutée à, livrons-nous dans la deuxième dimension politique là, qui c'est la politique comme étude. Ici, l'homme parle de la politique comme étude, eh bien, il est basé sur la connaissance des faits politiques, la connaissance de la politique. Connaissance de la politique, c'est-à-dire de connaître l'État, de connaître qui est responsabilité de l'État à gagner. Eh bien, pour connaître qui est responsabilité de l'État à gagner, pour développer une culture politique, eh bien, il faut qu'il passe par la formation. C'est pour cela, jeudi, nous allons faire une causerie, nous allons mettre un sujet aussi important et en débat pour nous garder avec jeunes. Pour qui ça, depuis avant l'indépendance, jeunes ont toujours en bataille, et là, on va faire historicité, nous allons voir une conférence là. Jeunes ont toujours initié une bataille pour changer le social, pour changer le pays. Encore très récemment, nous songeons combien la jeunesse est présente dans la bataille pour renverser plusieurs pouvoirs politiques. Et pour qui ça aujourd'hui, les jeunes ont toujours été marginalisés. En quelque sorte, gros problème. Mais le problème, non, pour nous résoudre, nous devons passer par la formation. Puisque si nous continuons à faire, les jeunes continuent toujours à faire là, nous ne pouvons jamais jouer le résultat, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. En ce sens, émergence. Et basé et politique sur une dimension pratique, mais en même temps sur une dimension qui est liée avec l'éducation, avec l'étude, pour nous développer une culture politique qui permet aux jeunes qui ont responsabilité politique, connaître les normes de la République, connaître c'est quoi de l'État, pour que nous vivions dans la tête d'État, pour ne pas penser nous faire ça nous voulait, je nous voulais, le nous voulait, pour ne pas même parler ça, on a bien joué. Tout à l'heure, le président a parlé de résilience. Ou après, jeune n'a pas eu à les résilier, il a dit qu'il faut que le Premier ministre, alors que le Premier ministre qui a dirigé le pays, son président, alors que nous connaissons pertinemment de la culture politique haïtienne, de la tradition politique haïtienne. Et dans les normes de la République, nous devons avoir un exécutif bicéphale avec le président. Pour qui ça, je dis à ça. Mais jeune, il faut qu'il étudie pour le ça. Il faut qu'il ait une formation pour le ça, pour lutter contre ça. Et bien, émergence, nous venons faire appel avec jeune, je dis à nous faisons appel à elle pour prendre conscience. Pour nous lutter contre ça qui est là, mais en même temps, pour nous former tête. Demain, là, nous prenons pouvoir là, pour ne pas nous produire même mascarade pour voir ça pour du bon 10 ans. Merci beaucoup. La pression ligne. Et je dis à son honneur pour nous de recevoir nous dans la co-émergence, dans le cadre des journées de réflexion sur la problématique géniale de pays. Normalement, nous sommes la journée internationale de la jeunesse. Et Jean-Pierre dans ce titre-là, il a été adopté dans l'année 99 par l'ONU. Mais en Haïti, il n'y a pas vraiment une institution qui parlait de 12 août. Là. C'est une journée qui passait à l'oubliette. Mais en tant qu'émergence patriotique, nous, il y a quelques années, depuis nous initier une activité de réflexion, une journée de réflexion, chaque 12 août, en un pays. Côté, nous venons, nous poser des problèmes de jeunesse, nous garder qui ça qui constitue une barrière pour que les jeunes viennent, un élément qui contribue dans le développement du pays. Et puis, au final, nous gardons quelques perspectives de développement ensemble. Et c'est dans le contexte là, je dis, à, nous avons réalisé une journée ça, sous thème et la jeunesse et le développement durable en Haïti, rôle et perspectives d'avenir. Et moi-même, comme une conférencier,
avec camarades nous, nos jeunes qui se portent parole émergence patriotique. Et moi pense l'enchita sous ensemble, l'en considérer ensemble barrières, barrières sociales, barrières économiques, barrières politiques et barrières et même psychologiques, moi capable de dire, parce que de nos jours, les jeunes ont développé une sorte de résilience par rapport avec mal que la vie là. C'est vrai, chômage là, en pile, grand coup, et misère là, en pile, mais li, comme si nous avions abdormi. De ce fait, nous voulons réveiller conscience et les jeunesse là. C'est dans l'idée ça qui fait aujourd'hui à la Nouchita ensemble avec le groupe jeunes pour organiser cause ça.